בבל, שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון, על ערבים בתוכה תלינו כינורותינו, כי שם שלונו שובנו דברי שיר ותול עלינו שמחה. שירו לנו משיר ציון, איך נשיר את שיר השם על עצמת נחה. Birchot Morev Rabotai, avec la permission d'Hachem, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous sommes dans la semaine de la paracha de Korah. Korah, c'était un monsieur, la Torah nous raconte, vous savez très bien que tout ce que la Torah nous raconte, c'est pas des histoires, c'est des histoires que pour nous remettre un peu pour nous remettre un peu dans le bon chemin. Ce cours de Torah, je le fais. Je viens de deux enterrements, malheureusement, que Dieu vous en préserve, de M. Moshe Biton, on l'appelle Moïse Biton, du Sentier, et Arthur Dahan à la Vachalande, que Dieu repose leur âme en paix. Donc ce cours de Torah soit à leur mémoire. Souvent, je vous explique que lorsque la Torah elle nous raconte des histoires, ce n'est pas des histoires à mettre de côté, ou une histoire comme les histoires qu'on entend. Non, c'est des histoires qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de ces histoires. Ces histoires qui nous concernent. Par exemple, la Torah, elle parle d'un monsieur qui était a priori tzaddik. Il était honnête. Il était de la tribu de Lévi. Il était menos er Aaron, c'est-à-dire parmi ceux qui levaient l'arche de l'Alliance. Vous savez que l'arche de l'Alliance, personne ne pouvait la toucher. Et celui qui touche l'arche de l'Alliance, il meurt. Alors pour vraiment la toucher, pour le lever surtout, il faut être un homme très pieux et très saint. Et Korah, c'était de l'autre côté, c'était un homme très pieux et très saint. Mais de l'autre côté, Korah, il était archi-milliardaire. Presque toute la richesse mondiale, le quart de la richesse mondiale, il était entre ses mains. Hachamim lui dit, si je ne me trompe pas, il avait presque 300 chameaux uniquement qui portaient les clés de ses coffres. Alors imaginez-vous combien de milliers de coffres il avait à cette époque. Et toute cette richesse-là, il l'a trouvée. Vous savez que lorsqu'il y avait la famine en Égypte, Yosef HaTzadik, c'était lui qui gérait ces années-là d'abondance, et c'est lui qui a géré les années de la famine. Et c'était lui qui vendait le blé. Du monde entier, ils sont venus acheter le blé. Et tout cet argent-là, colossal, qu'il a ramassé pour le pharaon, ça a été caché dans le désert. Et une partie a été trouvée. Et Yosef, il a caché ses trésors dans trois endroits différents. Et Korah était parmi le privilégié qui a trouvé une grotte où il y avait caché cet argent-là, et il est devenu milliardaire. Donc, pour vous dire que malgré sa richesse, il était un homme pieux. C'est-à-dire que l'argent ne l'a pas rendu fou. L'argent ne l'a pas rendu fou. Bon. Alors, à Bouteille, la Torah nous raconte que malheureusement, à un moment donné, cet argent l'a rendu fou. Renaud, après, il a commencé à aller Et il a commencé à aller d'après ses yeux. Après, il a commencé à chercher des choses qui ne le regardaient pas. Il a commencé après à trafiquer, à inventer des choses et des histoires sur Moshe, sur Aaron. Il a même protesté contre Moshe et Aaron. Mais qui êtes-vous? Toi, tu es un roi. Toi, tu es le grand-père. Mais qui vous a mis dans... La Matit Nasmou Al-Kalachem. Pourquoi vous dirigez tout ce peuple juif et qui vous a mis.
et il a réuni avec son argent, il a réuni le monde entier contre eux, à tel point il a réussi à séduire même les gens pieux, même les gens qui étaient proches de Moshe Rabbeinu, il les a détournés. Incroyable, incroyable, il a réussi. Pour vous dire, l'argent fait la force. Pour vous dire, quelqu'un qui a l'argent, il peut acheter le monde entier avec l'argent. De l'autre côté, moi je connais quelqu'un qui a de l'argent, même les rois, ils viennent chez lui, parce qu'il est très riche, il est plus riche qu'eux. Il est tellement très riche que même les rois et les présidents, ils l'invitent et ils mettent tapis rouge à ces riches-là pour qu'ils viennent visiter leur pays, parce qu'ils sont riches. Et vous savez très bien que de l'autre côté, la chokhma, ce qui est intelligent, un rab, un tzaddik, aussi, il peut acheter le monde entier avec sa chokhma, son intelligence. Regardez, jusqu'à maintenant, on parle de lui. C'était pas, on ne parle pas de ses milliards, on parle de sa chokhma. La différence entre le riche et le tzaddik, c'est que le riche, il peut acheter ce qu'il veut pendant sa vie. Une fois qu'il est mort, il est mort. Alors que le tzaddik, pendant sa vie, il peut faire n'importe quoi. Tout le monde l'écoute et il peut faire des merveilles, il fait des miracles. Et même après sa mort, tout le monde parle de lui. C'est ça la différence entre le tzaddik et le riche. Et voilà, mes amis, Korach, la Torah nous raconte qu'il a réussi à détourner tout le monde. Et à la fin, il a été puni. La terre, elle s'est ouverte. Elle a englouti Korach et tout ce qui se dit avec lui. Et le monde entier a vu que la sincérité de Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu c'est un tzaddik, le vrai tzaddik, et que Korach, tout ce qu'il a dit, il a uniquement inventé tout ce qu'il a inventé. Et c'est ce que Moshe Rabbeinu l'a dit à Korach. Si Hachem m'a envoyé, alors c'est moi qui vais être puni. Mais si Hachem m'a envoyé, alors toi tu vas être puni. Et quelle punition? La terre va s'ouvrir et va t'engloutir. Toi et toute ta famille avec toi. Et si Hachem ne m'a pas envoyé, alors donc toi tu as raison, et alors Hachem me punira. Alors on va voir. Et effectivement, le monde entier a vu que Moshe, il avait raison. Maintenant, mes amis, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé exactement avec Korach. Qu'est-ce qui s'est passé exactement avec Korach? Alors, vous savez que la paracha de la semaine dernière, c'est la paracha des Meraglim, ces espions que Moshe a envoyés en Israël pour espionner Israël, et qui sont retournés, ils ont critiqué Israël, ils ont été punis. Parce qu'Israël, on ne la critique pas. Celui qui n'aime pas Israël, qui ne la critique pas. Il y a beaucoup des riches qui disent, ah, Israël, c'est pas bon. Moi, je préfère l'Amérique, moi, je préfère la France. Ils peuvent rester en France s'ils veulent. Ils peuvent rester en Amérique s'ils veulent. Les critiquer, c'est ça, et dire, Israël, c'est pas pour moi. Israël, c'est pour les pauvres. Israël, c'est, il n'y a rien à faire là-bas. Ça, c'est péché. Ah, Israël, c'est que pour le tourisme. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, ils veulent uniquement être enterrés en Israël. Mais ils ne veulent pas vivre en Israël, ils veulent être uniquement enterrés en Israël. Israël, ce n'est pas un lieu d'enterrement, ce n'est pas un cimetière Israël. Israël, c'est pour les vivants, pas pour les morts. Alors, c'est pas celui qui n'est pas Israël, ce n'est pas la peine de laisser un testament, je vais être enterré en Israël, s'il n'a jamais aimé. Ça, c'est grave, c'est très grave. Il faut vraiment l'aimer, Israël. C'est vrai. Peut-être que tu ne peux pas travailler, tu n'as pas de parnassa, c'est dur pour toi, le climat peut-être, yeah, ou bien tes enfants ne sont pas mariés, ou tu as un problème, on comprend. Mais pas arriver à la critiquer, tu ne peux pas arriver à la critiquer, tu ne peux pas. Quelqu'un cette semaine il m'a dit, il m'a raconté une histoire. Et ça va vous faire rire cette histoire. Il m'a dit que... Il y avait un monsieur, il m'a dit, comment on peut reconnaître les juifs français en Israël? Ouais, tu vois des juifs, tu as plein, Israël, il y a plein de juifs, mais comment tu peux reconnaître un français? Parmi tous les Israéliens qui sont là-bas. Il dit que les français, ils marchent un peu tordus. Ils marchent un peu les bras en bas. Alors, j'ai écouté ça, j'ai regardé, je dis, pourquoi tu dis ça? Pourquoi, quel rapport avec le bras qu'il est en bas? Elle me dit, parce qu'ils ont tellement de problèmes, et chaque fois qu'ils vont chez un rabbin pour leur raconter leurs problèmes, le rabbin leur tape sur le dos, il dit, ça va y aller. Alors, à force de recevoir les coups sur le bras, ils ont le bras tordu, ils ont le bras à cause d'entendre tout, ça va y aller. J'ai commencé à le regarder. J'ai dit, c'est une blague. Mais si ça ne va pas pour eux là-bas,
C'est pas parce que Eretz Yisrael ne peut pas leur fournir ce qu'ils ont besoin. C'est parce qu'il dit à Bishmo Vayahai que Eretz Yisrael, on acquiert Israël avec souffrance. Eretz Yisrael, c'est la souffrance. Il dit à Bishmo Vayahai trois choses on achète avec souffrance. La Torah. C'est pas tout le monde qui a accès à étudier la Torah. Tout le temps, on nous dit, lorsqu'on propose à quelqu'un d'étudier la Torah, il dit j'ai pas le temps. Et même s'il trouve le temps, pour s'asseoir une heure, c'est dur. Et beaucoup des fois, même si c'est pas dur, beaucoup des fois, comme c'est un juif cette semaine, le pauvre, il m'a fait de la peine, vraiment, il m'a fait de la peine. Ça fait longtemps qu'il cherche du travail. Il a deux, trois enfants, il n'a plus de chômage. Il trouve un travail. Il était super content. Et bien sûr, dans ce travail-là, il avait le samedi libre, mais il était obligé de travailler dimanche. Il était content, il s'en fout. Il était même prêt à travailler à partir du samedi soir, hein, qu'il a le samedi libre. Et voilà, deux jours plus tard, il lui dit le patron, tu m'excuses, mais ce samedi-là, j'ai besoin de toi. Il lui dit, mais je ne peux pas. Il dit, si tu ne peux pas, tu quittes. Je ne peux pas te prendre sans Shabbat. J'ai besoin de toi. Et vous savez que c'est qui son patron, un juif. Il me dit, mais tu sais que je ne peux pas, je suis religieux. Il dit, je m'excuse, je ne peux pas. Moi, j'ai besoin de... Pas. Il dit, ok, merci. Alors, le patron lui dit, mais tu n'as pas peur de quitter le travail sachant que je ne veux pas travailler, sachant que tu n'as pas de parnassat, sachant que tu n'as pas de revenus. Il dit, je sais, mais je ne changerai pas ma religion. Si toi, tu l'as changé, moi, je ne la change pas. Je lui dis, moi, je ne l'ai pas changé. Moi, j'ai à Kippour à la synagogue. Je lui dis, mais être juif, c'est pas rien Kippour. Être juif, c'est Shabbat. Le respect du Shabbat, c'est pas le respect du Yom Kippour. Et en plus, toi, tu es mon patron. Et tu m'incites, tu me forces, tu m'obliges à travailler Shabbat. Comment tu peux faire une chose pareille? Je lui dis, bon, Erhoya, tu n'es pas content. Je ne peux rien faire pour toi. Je peux rien. Bah, le pauvre, il a quitté, il était heureux, il est venu chez moi, mais David, encore une fois, je veux une bracha pour que je trouve un travail. Vous voyez que la religion, c'est la souffrance. Mais sachez une chose, ce matin, j'étais à deux enterrements. Est-ce que le riche, il prend avec lui l'argent? Qu'est-ce qu'il prend avec lui, le riche? Rien du tout. Tout ce qu'il a travaillé pendant toute sa vie, ça reste là. Tout reste là. Rien, il ne prend rien du tout avec lui. Ce qu'il prend avec lui, si... Ces souffrances qu'il a souffert dans ce monde-là pour respecter la religion, c'est ce qu'il prend avec lui. Parce que n'oubliez pas, ce monde c'est de passage, on est limité dans la vie. Là-haut, c'est la vie éternelle. Donc au moins, on va pas s'ennuyer là-haut. Cette vie éternelle, il faut qu'il y ait quelque chose quoi faire là-haut. Donc Rabotai dit à Rabbi Shimon Bar Yochai que la souffrance, acquérir la Torah, c'est avec la souffrance. Bien sûr, si on peut faire Torah et Mitzvot sans souffrance, c'est encore mieux. Pourquoi ici en France? Pourquoi des fois on n'est pas, on sent pas un peu l'antisémitisme à cause de la barbe, à cause des péotes, à cause du chapeau, à cause du vêtement? On sort avec une kippa dans la tête, on pointe sur nous. Et combien des fois on pointe sur nous? Combien de fois? Dans l'avion, dans les TGV, dans les trains, dans les gares, dans les aéroports, partout on pointe sur nous. Alors celui qui passe, celui qui n'a pas de kippa, qui n'a ni barbe, ni rien, il passe inaperçu. Mais nous, on passe, on est là. Il croit que nous sommes les seuls juifs qu'il y a dans le monde, avec cette barbe. Il y avait une fois, j'étais à l'aéroport, il y a quelqu'un qui me dit, vous êtes le seul juif dans cet aéroport, vous n'avez pas peur? Je vais vous tromper. Je ne suis pas le seul. Je lui dis, il y a plein de juifs ici, et je les connais. Il m'a dit, mais non, mais ils ne sont pas barbus. J'ai dit, ils ne sont pas barbus, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas juifs. Voilà, celui-là, c'est un juif, et celui-là, c'est un juif, et celui-là, c'est un juif, et celui-là, c'est un juif. Je les connais. J'ai dit, n'oubliez pas, on n'est pas... On est ici, on voyage toujours en Israël, et ici, à l'Al. Mais dit, tout ça, c'est des juifs qui voyagent en Israël. Je dis, oui. Et pourquoi ils n'ont pas de kippa? Ben, ils n'ont pas de kippa, mais ils sont juifs. Il respecte la religion, je dis bien sûr qu'il respecte.
Il y a ceux qui la respectent et ceux qui la acceptent moins, mais 100% c'est des croyants. On ne va pas les juger. Vous savez ce qu'il m'a fait? Lorsqu'il a vu qu'il n'y avait que des juifs qui attendaient le vol, voilà, il sait, voilà comment c'était sans. Bon, il ne sait pas le pauvre. Après, je l'ai pris de côté. J'ai pu savoir ce geste-là que tu as fait, pourquoi? Eh, parce qu'on a trop entendu du mal. Je dis, c'est du mal que vous avez entendu, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Du mal, on peut toujours. C'est la médisance, on peut parler toujours du mal sur quelqu'un. Mais si vous le connaissez, c'est comme ça. Lorsqu'on ne connaît pas quelqu'un, on peut dire n'importe quoi sur lui. Mais si vous voyez comment on vit, c'est. Je lui dis, tu sais, je vous dis quelque chose. Vous n'êtes pas juif. Il me dit non, je ne suis pas juif. Je lui dis, sache une chose. Il est écrit dans la Torah, aime ton copain comme toi, Ani Hashem. Aime ton copain comme toi, c'est moi Hashem. Quel rapport? Je dis, aime ton copain comme moi, qu'il soit juif, qu'il n'est pas juif. Il faut l'aider, il faut l'aimer. Ani Hashem, parce que c'est moi Hashem, c'est moi Dieu qui a créé tout le monde. C'est moi Hashem qui a créé les musulmans, c'est moi Hashem qui a créé les catholiques, c'est moi Hashem qui a créé les chinois, c'est moi Hashem qui a créé les japonais, c'est moi Hashem qui a créé les juifs, c'est moi Hashem qui a créé tout le monde. Je lui dis, tu sais, que lorsque les juifs ils ont quitté l'Égypte, et que les égyptiens, ils ont poursuivi les juifs pour les ramener, et que la mer devait se renfermer sur l'égyptien, les anges ils ont voulu chanter. Et Hachem, il a dit aux anges, vous n'avez pas le droit de chanter. Parce que mes créatures, les gens que j'ai créés, ils sont en train de se noyer. Ne chantez pas. Ce n'est pas un jour de joie. Vous voyez, mes amis, que, vous voyez, je dis, il faut le connaître pour savoir. Vous savez, il faut le connaître. C'est pas, on peut dire n'importe quoi sur n'importe qui, mais il faut le connaître. Pour vous dire que être juif, c'est dur. C'est la souffrance. C'est ce qu'il dit David Amelech. La Shoah, la discrimination. On ne nous aime pas. Pourquoi? Comme ça. Sans raison. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, vraiment. Une fois, j'ai vu dans le Time, un des livres, un des revues, il y avait là-bas des statistiques que l'antisémitisme, vraiment sans raison. Sans raison. Une fois, ils ont demandé à un Chinois, mais pourquoi tu ne fais pas les Juifs? Il dit, je ne sais pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Une fois, c'est quelqu'un qui. Il ne sait pas. Il n'a pas de raison pourquoi. Donc, c'est ça. Donc, il dit à Bishon Babéhaï, acquérir, faire respecter la Torah, ou être simplement juif, c'est de la souffrance. Et avoir le monde futur, le paradis, aussi, c'est la souffrance. Vous savez, tout à l'heure, lorsque j'étais à la morgue, j'étais parmi ceux qui ont lavé le corps d'Arthur Dao, le pauvre. C'était un monsieur qui était grand de taille, très fort. Il pesait peut-être 150, 60, 200 kilos. Très grand de taille. Ce monsieur-là, il avait le cancer il y a 20 ans. Il avait une maladie grave. Il devait mourir. Et à la fin, le bon Dieu, on s'est rencontré à Essaouira. Elle a élu là de Rabbi Haïm Pinto. Et au départ, il ne voulait pas venir. Il est venu, on priait, il est venu, il a commencé à prier, on a prié pour lui. On lui a dit, si Dieu veut l'année prochaine, tu sois là, guéri. Il rigolait parce que c'était général, parce que le médecin lui a dit, va, profite de la vie, il te reste encore quelques mois à vivre, tant que tu as la santé encore, va, profite, voyage, éclate-toi. Et bien, c'est ce qu'il a voulu faire. On lui a dit qu'il allait là, il est venu pour voir, pour manger. Et soudainement, on a mis de force sur le tombeau de Rabbi Haïm Pinto. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer, à pleurer. Et on lui a dit, si Dieu l'année prochaine, tu viens, tu es guéri. Il a dit, l'année prochaine, il a commencé à rigoler. L'histoire se termine. L'année d'après, on voit un monsieur qui a pris du poids. On ne l'a pas reconnu. C'était Arthur. Il a guéri, comme les médecins ne comprennent rien du tout. Et depuis ce jour-là, on se voyait normalement. Et ce monsieur-là, il pouvait discuter avec toi et boire une bouteille de whisky.
avec un apéritif. C'était un monsieur fort, en bonne et parfaite santé. Il y a 3 mois, il est tombé dans le coma, il était à New York. Pour la médecine, il est mort. Après 2 mois, ils l'ont ramené en France. Pour la médecine, il est mort. Et voilà, mes amis, avec les prières, il a ressuscité. Il a parlé 8 langues. Il a commencé à parler. Et là, ça y est, sa femme, elle est venue chez moi avec ses enfants. Ils m'ont apporté pour faire une séouda. Ça y est, il a guéri. Il a guéri, ça y est. Presque, il lui restait que sortir de l'hôpital. Mais malheureusement, hier, il ne se sentait pas bien. Et hier soir, il a quitté ce monde. Alors, je l'ai vu ce matin, lorsqu'on l'a lavé, et je voyais ce corps-là, comment il était. Je lui ai dit, voilà, voilà la fin. Voilà la fin. C'est là qu'on pouvait voir que c'est ça la fin. On ne peut pas frotter. Voilà. Qui aurait pu croire? Rien du tout. L'autre monsieur, c'est Moshe Bitan, à l'âge de 70 ans, jeune. Il était très bien. Il a une petite crise jeudi, et voilà. Après, il devait sortir aujourd'hui. Oui, il est sorti aujourd'hui de l'hôpital, mais pour aller pour le prendre au cimetière. Voilà. C'est grave, c'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est dur. Avoir le mérite d'être à Gan Eden, il faut avoir le zikhout, le mérite. C'est ce qu'il dit à Bishon Vahai. Et habiter en Israël, il faut avoir un mérite, il faut avoir un zikhout pour habiter en Eretz Israël. Ce n'est pas tout le monde qui a le mérite d'habiter au Eretz Israël. Et si tu as le mérite, il faut le mériter. Ça veut dire que ça peut être avec souffrance. Il ne faut pas croire qu'Israël, c'est un lieu de refuge. Il y a beaucoup de gens qui sont au chômage ici, ils disent, bon, je suis au chômage, je veux partir en Israël. Non, c'est partir en Israël, tu es au chômage, je veux partir en Israël, mais pour habiter. Parce que si tu penses que là-bas, tu vas avoir tout le bonheur, si tu te trompes. Il se peut que tu vas l'avoir, il se peut que tu ne vas pas l'avoir. Et si tu ne l'as pas, il faut l'accepter. Donc, mes amis, ça, c'est la paracha de la semaine dernière. Et ces gens-là, ils sont partis, ils ont critiqué Eretz Israël. Au lieu qu'ils viennent et dire des bonnes choses. Et en plus, vous savez ce qu'ils ont fait? En plus, ils apportent les fruits d'Israël. Et ils disent à Moshe, « Vezeperia, voilà le fruit d'Eretz Israël. » Ça veut dire qu'ils ont apporté des beaux fruits d'Eretz Israël. Ça veut dire que si les fruits sont bons, ça veut dire que tout est bon. C'est-à-dire qu'au niveau matériel, tout est bon. Mais eux, ils ont commencé à inventer des critiques. La Hachem, il les a punis. Ah, maintenant, je vous pose une question. À la fin de la paracha, écoutez bien, la fin de la paracha de Shelach Lecha, là-bas, la Torah, elle parle qu'il faut avoir le tzitzit. Il faut porter le talit. Aussi, le bar mitzvah, on met au hatam bar mitzvah le tzitzit. Tzitzit, filin. Ah, maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire. Quelle est la raison pourquoi Hachem il veut qu'on porte le tzitzit? Quelle est la raison? Parce que il y a 613 mitzvot. Il y a 613 lois. Alors, tzitzit, si on calcule tzitzit, c'est 600. C'est le chiffre 600. Tav, c'est 400. Deux fois tzadé, c'est 180. Et deux fois yud, c'est 600. Tzitzit. Alors, on ajoute les 5 nœuds. Il y a 5 nœuds. Et on ajoute les 8 fils, petits lignes. 5 et 8, ça fait combien? 13. Donc, 613 mitzvot. Donc, la Torah dit, au itemoto, parce que le juif, il a l'obligation de faire les 613 mitzvot. Et on ne peut pas tous les faire. On ne peut pas les faire. Pourquoi on ne peut pas les faire? Et ben justement, parce que c'est impossible de faire à la fois 613. On peut faire, je ne sais pas, l'ancienne mitzvah qu'elle arrive, tu l'as fait. Mais tu ne peux pas faire 613 mitzvot à la fois. Par exemple, écoutez. Divorcer, c'est une mitzvah. Se marier, c'est une mitzvah. Alors écoutez-moi. Alors chacun va dire, pas une mitzvah.
C'est une mitzvah de divorcer. Puisque la Torah dit, alors comment je vais divorcer? Quelqu'un qui aime sa femme, il va divorcer sa femme pour accomplir la mitzvah du divorce. Impossible. C'est impossible. Par exemple, ce mitzvah d'habiter en Israël. Moi, j'habite en France. J'ai pas de pas. Par exemple, pour des raisons que, comme mes parents qui sont au Maroc, en Algérie, en Tunisie, mais nos parents sont là-bas. Et on est encore ici. Même qu'Israël, elle existe, bon, nous, on est là. C'est pas. Nous, on est là. Pourquoi nous, on est là? C'est Hachem qui veut. On est en exil. Bon, il y a les Juifs en Amérique, il y a au Canada, il y a à Singapour, il y a à Hong Kong, il y a encore quelques Juifs en Algérie, il y a partout. Et pas que même en Libye, il y a quelques Juifs qui retournent là-bas. Il y a au Yémen, des Juifs. Partout, il y a un peu partout. Aujourd'hui, le monde, il est ouvert. Maintenant, les Juifs, ils retournent en Roumanie, en Bulgarie. Ils partent un peu. Et pareil, même en Afghanistan, il y a encore un Juif qui vit là-bas. Et pareil aussi qu'en Irak, il y a encore là-bas quelques Juifs. Donc, vous voyez, on est un peu partout. On est en exil. On est un peu partout. Ah, maintenant, il y a d'un côté, il y a 613 mitzvot qu'on doit faire. Maintenant, comment je vais faire ces 613 mitzvot? Dis-moi comment je vais les faire. Il y a la mitzvah d'habiter en Israël. Il y a la mitzvah de construire le Beth Amikdash. On n'a pas de Beth Amikdash. Il y a les mitzvot des korbanot, des sacrifices. Il n'y a pas de sacrifice. Il y a la mitzvah de faire la mitzvah, les bikurim qu'on apporte au Kohen. Les premiers prémices qu'on apporte chaque soukot au temple. Il n'y a pas de temple. Il n'y a pas de bikurim. Alors comment on va faire? Ça veut dire que moi, David Pinto, ni moi, ni ceux qui habitent en Israël, on ne peut jamais faire les 613 mitzvot. Jamais on peut les faire. Et surtout nous qu'on habite en France, on ne peut jamais faire les 613 mitzvot. Impossible. Super. HaKadosh Baruch Hu, il a été très intelligent. Il nous a donné une mitzvah. Laquelle? Elle s'appelle Tzitzit, des fils. Voilà, cela. Et Hachem, il veut que lorsqu'on était moto, Ushaltem va'asitem. Hachem, il dit, lorsque vous voyez ce tzitzit-là, lorsque vous voyez ce tzitzit, ou itemoto, lorsque vous allez les voir, alors vous allez vous souvenir qu'il y a 613 mitzvot. Et vous allez les faire. Comment je vais les faire? Voilà, je vois le tzitzit. Ah, tzitzit qui représente 613 mitzvot. Super. Ah, je vais les faire. Mais comment je vais les faire? Quoi, je vais divorcer? Quoi, je vais... comment? Et c'est impossible. Alors, il y a une solution. Laquelle? Mahshava tova, mitztarefet ma'asi. C'est quoi? Donc, un homme, il pense faire une bonne action. Par exemple, un homme, le soir, il dit, demain matin, je vais à la synagogue et je vais donner la charité, la tzedaka. Et malheureusement, le lendemain matin, il ne s'est pas levé. Il ne s'est pas réveillé parce que la montre, elle n'a pas sonné. On ne l'a pas réveillé. Waouh, je ne me suis pas levé, je n'ai pas fait. Il regrette, il a de la peine. Alors, quand je crois, il dit, bon, puisque c'est de la peine, alors je considère comme si tu l'as fait. Alors maintenant, nous, on habite en France, on habite en Maroc, on habite en Algérie, on habite en Tunisie, on habite en Russie, on habite un peu partout dans le monde. Et on veut faire les mitzvot, mais on n'arrive pas, on n'a pas les moyens pour les faire, parce qu'on ne peut pas les faire, parce que le matzav, la situation ne nous permet pas de les faire. Je veux accomplir les mitzvot du divorce, mais je ne veux pas divorcer, j'ai ma femme. Je ne veux pas la divorcer. Alors quand je lui dis, puisque tu veux vraiment accomplir cette mitzvot-là et tu ne veux pas les faire à cause des situations où tu te trouves, alors je considère comme si tu les as fait. C'est beau, hein? Mais il ne faut pas rigoler avec le bon Dieu. Hachem, il sait, parce qu'il faut montrer quelque part une souffrance. Ah, dommage, j'ai envie de faire, je n'arrive pas à faire. Quand je lui dis, il voit ton cœur, il voit que bébé, tu veux faire. Quand je lui dis, bon, je considère comme si tu l'as fait. Donc, tzitzit, quelque part, il peut nous mettre dans une situation comme si on a fait les 613 mitzvot, sans les faire. Mais bien sûr, si on peut faire et on ne le fait pas, ce n'est pas considéré comme si tu les as fait, non. Uniquement si vraiment tu es anus, vraiment, tu ne peux pas, c'est impossible de la faire. Alors quand je lui dis, bon, puis tu n'as pas, par exemple, malheureusement, ces quatre juifs qui sont morts dans l'avion Air France en venant du Brésil à Paris, et les pauvres, ces gens-là, les pauvres, ils sont morts d'une manière catastrophique, pas naturelle, tragique. Alors quoi, on ne sait même pas, ils n'ont même pas trouvé les corps de tous ces gens-là, les pauvres. Et 220 personnes, les pauvres, on ne sait même pas où ils sont. Ils ont trouvé 70, 80, c'est tout, je ne sais pas combien ils ont trouvé. Où ils sont, peut-être, entre les bouches des requins, on ne sait pas. Les pauvres,
Bien sûr, Akash Baruch, ils considèrent comme s'ils sont morts et enterrés. Parce qu'ils n'ont pas cherché cette mort tragique. Cette mort, elle est venue comme ça. Ma'atullah, c'est Hachem qui a voulu qu'il meure cette mort tragique. C'est pas, ils n'ont pas choisi. Alors, Akash Baruch, ils considèrent comme s'ils sont morts et enterrés. Dans une kibbourah, dans un enterrement religieux. Voyez, Rabotai, les miraglim, ils ont critiqué Eretz Israël. Ils ont critiqué Israël, ces touristes-là, lorsque ces espions, ils sont partis espionner Israël pour voir pour préparer l'entrée de tout le peuple d'Israël en Israël. Et malheureusement, ils l'ont critiqué. C'est une bêtise qu'ils ont fait. Donc le produit les a punis. Il va dire, vous avez critiqué, ils sont morts d'une mort pas naturelle. Dans une épidémie, après tous ceux qui les ont supportés, ils ne sont pas rentrés en Israël. C'était leurs enfants qui sont rentrés en Israël. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a voulu... Alors, ma question était, pourquoi la Torah elle a écrit la paracha de Katshema, du Tzitzit, de la paracha de Shlach Lecha, de la paracha des espions? Pourquoi? Eh bien, justement, la Torah veut nous enseigner un enseignement extraordinaire. La Torah elle veut nous enseigner, vous voyez que Eretz Israël, elle fait partie des 613 mitzvot. Que lorsqu'on parle de 613 mitzvot, il y a peut-être une centaine ou plus de 100 mitzvot qui sont liés avec la terre de Eretz Israël. Que ça veut dire que si on critique Eretz Israël, c'est comme si on n'a pas fait ces 100 mitzvot là qui sont liés avec Eretz Israël. Et si on n'a pas fait ces 100 mitzvot là qui sont liés avec Eretz Israël, comme si on n'a fait aucune mitzvot, comme si on renie l'existence de Dieu. Parce que Dieu il a donné 613 mitzvot, et moi je sais que les mitzvot qui sont liés, uniquement les mitzvot qui sont pas liés avec Eretz Israël. Parce que, puisque voilà, ils ont critiqué Eretz Israël, ils ne veulent pas rentrer. Le fait qu'ils disent qu'ils ne veulent pas rentrer, c'est qu'ils ne veulent pas les faire. C'est grave ça. C'est-à-dire que maintenant, quand Akadosh Baruch Hu nous a donné un ordre, que tzitzit, il y a 613 mitzvot dans les tzitzit, et parmi les 613 mitzvot qu'il y a dans les tzitzit, il y a aussi l'amour de Eretz Israël. L'amour des mitzvot qui lie le juif avec Eretz Israël. Aujourd'hui, on n'a pas de Beit HaMikdash, aujourd'hui, on n'a pas de temple. On n'a pas aujourd'hui la même obligation d'habiter en Israël comme avant. Parce qu'il n'y a pas de mitzvot aujourd'hui, mais on est en exil. Mais le fait qu'on a l'amour de Eretz Israël et le fait qu'on prie à Hachem qui nous apporte Mashiach, qui nous prend en Eretz Israël, qui nous libère, et que là-bas on puisse faire les mitzvot, alors que je crois qu'il accomplit comme si on habite en Eretz Israël, et comme si il y a le Beit HaMikdash, et comme si il y a les mitzvot qui sont en Eretz Israël, et on les fait. Moi, mes amis, j'ai dit à quelqu'un hier, qui est venu chez moi, qui veut retourner d'Israël en France. Il y a 2 ans, je l'avais dit, ne va pas. Parce qu'il voulait partir uniquement parce qu'il a perdu son travail ici, il n'a plus rien à faire. Et je lui ai dit, écoute, tu veux partir en Israël, prépare ta aliyah. Prépare, ne t'en va pas comme ça. Parce que j'ai peur que tu vas aller là-bas, tu vas perdre tout ce que tu as, et après tu vas démoraliser toute ta famille, et après tu vas commencer à critiquer Israël. Alors, va prépare-toi. Non, je vais aller. Et hier, il est venu, il fallait voir comment il critiquait. Il fallait voir. J'ai dit, mais je t'avais dit, mais tu n'as pas le droit. Je ne vois même pas si le bon Dieu va t'aider ici, en France. Tu es retourné, toi et toute ta famille. Je ne sais pas s'il va t'aider parce que, regarde ce qui sort de ta bouche. Tu n'as pas le droit de critiquer. Il y a des gens qui sont morts pour l'amour de Eretz Israël. Regarde la Torah nous parle. Ceux qui l'ont critiqué, quelle punition ils ont eu. Et Eretz Israël, maintenant on comprend pourquoi dans cette paracha de Eretz Israël, la Torah nous parle des tzitzit. Parce que tzitzit représente 613 mitzvot. Et si tu critiques Eretz Israël, c'est comme si tu ne fais pas les 613 mitzvot. Et l'homme, il a 613 membres even. Dans le corps, il y a 613 membres even qui sont
l'équivalent des 613 mitzvot. Ça veut dire que le juif, il a l'obligation de faire les 613 mitzvot, qui représentent son corps, qui représentent que tu es venu dans ce monde-là pour faire ces mitzvot-là. C'est ça ton tachlis, c'est ça ton but. Ton but, c'est pas aller s'éclater, utiliser, manger, dormir et faire ce que tu veux. Non, ton but dans ce monde-là, c'est vraiment de respecter les 613 mitzvot. Et la Torah, elle nous parle, justement, la Torah, elle nous parle de ces mitzvot-là. Des 613 mitzvot qui sont liés avec Eretz Israël. Que critiquer Eretz Israël quand ils ont fait ces exploitateurs, c'est comme si tu déformes toute la Torah, tu bafoues la Torah. Et tu n'as pas le droit. Quelqu'un qui critique son ami, lui aussi, il bafoue toute la Torah parce que c'est écrit aime ton prochain comme toi. Et Rabbi Akiva dit que aime ton prochain comme toi, ça englobe toute la Torah. Alors ça veut dire que lorsque tu détestes quelqu'un, tu bafoues toute la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah a été donnée, pas à un individu, la Torah a été donnée à tout Am Israël. Nous tous, on l'a reçue. Et tous, on l'a reçue. Lorsque Hachim nous a donné la Torah, tous, on a donné nos mains vers Hachim et il nous a donné la Torah. Donc ça veut dire que chacun, il a une partie dans cette Torah. Mais non seulement dans la partie où j'ai pris, même la partie que mon ami, il a pris. Et la partie que notre ami, il a pris. Donc, ça veut dire que nous tous, on est liés les uns avec les autres dans la Torah. Israël, arrivé, c'est baisé. Lorsque tu détestes quelqu'un, tu te détaches toi-même de la Torah. Donc, tu n'as plus aucun appui sur la Torah. Et donc, comme si tu n'as rien fait. Ramim, ils disent que celui qui critique l'autre, il perd toutes les mitzvot qu'il a fait. Donc, la Torah, lorsqu'on met tzitzit, ça représente quelque chose. Donc, Yad Shema, on dit, Vishidantam levanecha, Vidibatabam. Il faut enseigner la Torah à tes enfants. Mais non seulement il faut enseigner la Torah à tes enfants, il faut aussi l'étudier. Il y a beaucoup de gens qui disent, je vais prendre un rabbin qui va enseigner la Torah, lui, il va en vacances. Non, alors, vous savez que l'enfant, c'est l'image de son père. Ce que le père il fait, l'enfant, comme hier. Il y a une femme qui vient chez moi, elle pleure. Son fils, elle a 15 ans. Il fait des bêtises sur Facebook, tout le temps, sur Internet. Elle me dit, mais Rabbi David, c'est fini, j'ai perdu un enfant. Je dis, parce que il voit son père toute la journée sur Internet. Alors, qu'est-ce qu'il fait lui aussi? Dès qu'il vient de l'école, il s'occupe plus de ses devoirs et il est sur Internet. Voilà. Au lieu qu'il voit son père et faire l'itila, faire Bekat Amazon, mettre une kippa sur la tête. Il voit son père sur l'internet. Mettons le fils, il va des bêtises. Mettons les parents, ils ne savent plus quoi faire, ils ne savent plus où s'en aller. Ils sont dans un état grave. C'est écrit Vishinatam le Banechev, on sait la Torah des enfants. Vidi Bata Bam. Après, en plus, il faut les. C'est pas dire à ton fils, il faut étudier, il faut faire Shabbat, il lui fait pas Shabbat. Il faut faire Mitzvile, lui mais pas Mitzvile. Non. Viti Bata Bam. Bam, c'est les initiales de quoi? Bar Mitzvah. Bam. Viti Bata Bam, c'est les initiales de Bar Mitzvah. Pour que ce garçon, si Dieu un jour, il soit Bar Mitzvah, Bar Mitzvah, Bar Mitzvah, pour qu'il soit, ben, si Dieu un jour, Bar Mitzvah, il faut qu'il voit son père étudier la Torah. Il faut qu'il voit son père mettre des tefillin, son père aller à la synagogue Shabbat. Mais s'il voit son père, il s'éclate au lit, nage, il dort. Voilà, il dort, il ronfle. Et l'enfant, il se réveille le matin, le Shabbat. Qu'est-ce qu'il va faire? Ou il va allumer l'internet ou la télévision, il va dormir. Ben, qui s'est fait? Le père va se réveiller avec son fils. Élève-toi à la synagogue. Et toi, papa? Ah, moi, je suis fatigué, je travaille toute la semaine. Et moi, je n'ai pas travaillé toute la semaine, je n'étais pas à l'école. Il faut que le père soit un exemple pour son fils. C'est vrai, toute la semaine, tu as travaillé, toute la semaine, tu crevais, tu es fatigué. Shabbat, tu ne travailles pas, Shabbat, tu vas à la synagogue.
Tu cours ta cour de Torah, tu vas l'après-midi, tu retournes, tu prends tes enfants. C'est ça l'éducation des enfants. Vishinatab tu enseignes à tes enfants. Vidibataba, mais ce n'est pas un enseignement général. Il faut toi aussi tu étudies. Comme ça, il deviendra ton image. Bam, bam mitzvah. Il deviendra ton image, comme toi. Bam, bam mitzvah. J'étais à une bar mitzvah il y a quelque temps. Et j'ai commencé à rigoler tout seul. Parce que j'ai vu que le père, il ne savait même pas comment mettre des tefillin. Et il dit à son fils qui vient de la mitzvah, dis-moi, Thierry, comment tu fais? Comment tu fais? Parce que, il lui dit, comment tu fais? Il dit, papa, je ne connais pas, tu m'apprends. Il lui dit, j'ai oublié, ça fait 40 ans, je ne les ai pas mis. Alors, je regardais, j'ai eu de la peine. Alors, j'étais chez lui, je l'ai aidé pour les mettre. Je lui dis, j'espère que tu n'as pas fait l'investissement pour rien, parce que tu as dépensé au moins des centaines de milliers d'euros pour cette bar mitzvah totale, pour une soirée. À quoi sert? À quoi sert? Pour hein, c'est quoi? C'est pas un anniversaire. C'est quoi? C'est quoi? Il faut que ton fils soit ton image. Mais je crois qu'il va être une belle image. Comme je ne sais pas les mettre, tout aussi dans 40 ans, il va pas savoir les mettre, les tefillin. Mais comment ça mettre de maintenant, apprends que tu mets, apprenez les deux, on va faire la bar mitzvah tous les deux maintenant. La semaine dernière à New York, j'ai vu une chose super. J'ai fait un cours de Torah, et soudainement, il y a un monsieur qui vient chez moi, il me dit, j'ai 60 ans, et je me trouve à la synagogue, et ça m'a rappelé lorsque j'ai fait la bar mitzvah il y a 50 ans. Je lui dis, alors, depuis la bar mitzvah, tu sais pas, tu n'as pas mis de tefillin? Il m'a dit, non, je ne sais pas mis. Ah, vite, il est descendu en bas, les amis. Lorsqu'il est remonté me voir après, il m'a dit, je me sens bien, je me sens juif. Il dit, Albouk, mais tu es juif. Je lui dis, mais je suis juif, c'est toi, pourquoi? Je lui dis, tu te sens bien. Eh bien, si tu nous aurais aimé pendant 50 ans, ben, chaque matin tu te remets. Moi, je lui dis, moi, David Pinto, moi, chaque matin, je me sens à merveille lorsque je mets les tefillin. Je me sens comme un poids qui est sorti de mon cœur. Je me sens détendu. Je me sens que j'étais à côté d'Hachem, à côté de Dieu. Je me sens bien, bien, bien. Et c'est ça la bouteille. Lorsqu'on met tefillin avec le tzitzit, on englobe les 613 mitzvot avec soi. Parce que n'oubliez pas une chose. On peut être au Maroc. On peut être là où on est dans le monde. Et c'est impossible de faire les 613 mitzvot. Impossible. Impossible. Mais il y a des gens qui vivent toute une vie, ils font toutes les mitzvot, mais ils ne peuvent pas faire toutes les mitzvot. Impossible. Même si on dit que les juifs, on est liés les uns avec les autres, ce que moi je ne peux pas faire, lui il peut faire. Il y a des mitzvot qu'aucun juif ne peut faire. Lesquels? Par exemple, construire le Beth Amikdash. On ne peut pas construire. Faire les sacrifices. On ne peut pas les faire. Il y a plein de mitzvot qu'on ne peut pas faire parce qu'on n'est pas en Israël, on n'a pas le Mashiach, on n'est pas au Beth Amikdash. On n'est pas. Alors on ne peut pas les faire. Alors on ne peut jamais faire les 613 mitzvot. Alors il y a deux solutions. L'étude de la Torah. Zot HaTorah La'ola, la Mincha, les Zvah. Lorsqu'on étudie la Torah, c'est considéré comme si on fait les mitzvot. Alors, par exemple, je lis la mitzvah de Beth Amikdash, ah ben, je me considère comme si tu as construit le Beth Amikdash. Ou bien, lorsqu'on met le tzitzit, et le tzitzit qui représente les 613 mitzvot, je les vois et j'ai de la peine que je ne peux pas les faire. Parce que c'est impossible. Alors je me considère comme si tu les as fait. Et pourquoi la Torah nous apporte cette mitzvah de tzitzit, de la paracha, de Shelach Lecha, pour nous dire, tu vois, si tu critiques Israël, jamais tu pourras faire les 613 mitzvot. Pourquoi? Parce que puisque tu n'es pas Israël, jamais on va considérer comme si tu as fait les 613 mitzvot. Parce que l'amour d'Israël, tous les mitzvot qui sont liés avec Israël, ils sont liés dans les mitzvot. Alors si tu n'es pas Israël, tu as critiqué, tu ne vas pas y aller là-bas, donc jamais tu pourras faire les 613 mitzvot. C'est pour cela que je pourrais nous mettre en garde dans la paracha de Shelech Lecha. Parce que Israël, c'est très dur, Israël. La parnassa, la sécurité, c'est dur. Donc on peut dire, ouais, c'est la sécurité, ouais, c'est dur, ouais, il n'y a rien à faire là-bas, ouais, il y a toujours, ouais.
C'est vrai, tu peux avoir mille raisons, mais ne critique pas, ferme ta bouche. Ferme la bouche, faut fermer la bouche. Shut your mouth. Ferme la bouche, ne parle pas. Tu as des raisons, parce que tu peux inciter d'autres personnes à être comme toi. Alors tout le monde commence à critiquer. Ferme ta bouche, c'est tout. Parce que si tu critiques avec Israël, c'est comme tu perds tout le bénéfice des 613 mitzvot. Parce que le but de chaque juif, faire les 613 mitzvot. Maintenant, je vous ai parlé de la paracha la semaine dernière. Maintenant, quelle est la connexion avec la paracha de cette semaine? Oh! La paracha de cette semaine, c'est Korah. Et Hakam, ils disent que Korah, il a rigolé sur les tzitzits. Il a un peu rigolé. Il a fait un peu des. Il a un peu rigolé. Il a un peu rigolé. Maintenant, la question qu'on va essayer de comprendre, comment Korah, qui était tzaddik, Korah qui portait le haron, Korah qui était super tzaddik, comment on peut imaginer que Korah, il rigole, il a commencé à rigoler sur la mitzvah de tzitzit. Et non seulement il a commencé à rigoler sur la mitzvah de tzitzit, il a commencé aussi à rigoler sur Moshe, sur Aaron, sur tout le monde. Pourquoi? Pourquoi? Et en plus, il dit à Moshe Aaron, la matitnas ou akel, pourquoi vous êtes en train de se donner des titres de roi, de président, vous êtes en train de vous donner des titres sur le peuple juif. En plus, tout le peuple juif, c'est un peuple saint. C'est vous qui n'êtes pas. C'est-à-dire, on vous exclut. Vous n'êtes pas des saints. Vous imaginez Korah qui dit ça à Moshe Aaron, que vous n'êtes pas des saints. Nous, les saints, vous n'êtes pas saints. Vous imaginez comment Korah est arrivé à ça? Comment? Écoutez bien. Dans la paracha de Be'alotra, là-bas, c'est écrit que Moshe, lorsqu'il a inauguré le tabernacle, c'est écrit dans la Torah que tous les chefs de tribu, ils ont apporté un sacrifice pour inaugurer le Mishkan, pour inaugurer le tabernacle. Chaque tribu, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, non pas Lévi, chaque tribu, ils ont apporté un sacrifice. Chaque tribu qui représente toute sa tribu, un cadeau à Hachem, un sacrifice. Tout le monde était invité. Aaron, la tribu d'Aaron n'ont pas été invités. Et Aaron, il avait de la peine. Halshadate d'Aaron, il avait de la peine. Pourquoi tous les chefs de tribu, ils ont apporté, et moi qui suis le chef de la tribu, parce qu'Aaron c'était le chef de la tribu de Lévi, ou mon frère Moshe, ou même un membre de ma famille, on n'a pas été invité pour apporter le sacrifice, pour inaugurer le temple. Il a eu de la peine. Moi, je vous pose une question. Pourquoi il a eu de la peine? C'est la volonté d'Hachem. Est-ce qu'on peut contester la volonté d'Hachem? Hachem, il veut que tel et tel et tel et tel et tel apporte des sacrifices, pas toi. Pourquoi pas toi? Parce qu'il a ses raisons. Ou bien parce que toi, tu as assez. Attends, hein, n'oubliez pas qu'Aaron était le grand prêtre. N'oubliez pas que Moshe était le roi. Alors, qu'est-ce que ça ne te suffit pas? Ah, tu veux encore ça? Attends, laisse un peu pour les autres quelque chose. Alors, ma question, elle est, je comprends pas. Pourquoi Aaron, il a eu de la peine parce qu'il n'a pas été invité. Tu n'as pas été invité, ben c'est la volonté d'Hachem. Tu n'as pas été invité parce que tu as assez. D'ailleurs, beaucoup de commentaires posent cette question. Tu as assez de travail dans le temple, puisque personne n'a. Pour une fois que ces chefs de tribu, ils apportent un sacrifice, tu es jaloux d'eux? C'est quoi? Mais oh, qu'est-ce que t'as? Je comprends pas, pourquoi? Vous savez, la bouteille, c'est vrai, c'est une belle question. Deux belles questions. Écoutez bien, c'est écrit dans Pékin Avot que Aaron était Ohev Shalom, Verodev Shalom. Il adorait la paix. Ohev, c'est écrit, il l'aimait. Lorsqu'il y avait deux personnes qui se détestent, il leur fait la paix. Et vous savez, pour faire la paix à deux qui se détestent, c'est pas facile. Combien de fois, moi, j'ai reçu des injures, des claques, des insultes, parce que je me suis mêlé à faire la paix entre deux. Et de quoi tu te mets? Qui tu es?
Et attends, mais tu te vois, mais qui tu es toi? Ouais, tu te prends pour Abbé Pinto, mais toi tu es Boileau, mais moi je te connais. Des honte, des honte. Et parfois, je maintiens pression et j'ai réussi à la fin de faire la paix et me disent après merci. J'ai reçu des insultes cette semaine à cause d'une fille qui a 30 ans. Qu'elle est enceinte, elle n'est pas mariée, et toute sa famille lui ont dit d'enlever le bébé. J'étais le seul à lui dire, n'enlève pas le bébé, c'est un crime, c'est péché. C'est péché, le bon Dieu t'a donné un bébé, qui te dit que tu vas avoir un autre bébé, et en plus c'est un bébé. C'est après 3 mois, comment? Non, non, c'est pas 3 mois que je suis à peine c'est un mois et demi, un mois et demi, c'est un embryon vivant. Tu n'as pas le droit, c'est 45 jours, tu peux pas. Haram. Il me dit, mais je suis enceinte d'un goy. Et alors? Je sais, bon, mais toi tu es enceinte. Même un goy, même un non-juif, il n'a pas le droit d'avorter. Mais c'est péché. Tu as fait une bêtise, tu es enceinte d'un qui n'est pas juif. Bon, mais c'est un bébé, tu n'as pas le droit de tuer. Il faut le garder. Mais mes parents, ils ne veulent pas, ils ont honte. Je m'en fous qu'ils ont honte. Après, les parents, ils m'ont appelé. Ils m'ont incendié au téléphone. Incendie au téléphone. J'ai accepté. Et à la fin, il me dit, le père, bon, j'espère, que vous allez donner l'ordre à ma fille d'avorter. Hein? Alors je réponds, monsieur, Michel, non. Si toi, tu as un bébé dans ton ventre, t'avorter. Ta fille, elle n'avorte jamais. Moi, jamais je dirais d'avorter. Et je ne la laisserai pas avorter. En plus, tu mets ta fille en danger. Parce que beaucoup des gens qui ont avorté, ils ont des dépressions nerveuses après. Ils ont regretté. Et qui me dit qu'il va avoir un autre enfant? Et qui me dit qu'il va recevoir un mariage? Et peut-être ce monsieur, ce bébé qui va naître, il va être un monsieur important qui va sauver ta vie un jour. Et à la fin, grâce à Dieu, à la fin, j'ai réussi à les convaincre. Baruch HaShem. Beaucoup de fois, ça arrive, il y a des mamans qui viennent chez moi, avec des enfants, et ils disent à l'enfant, voilà ton père. Alors moi, je les regarde, avec un grand sourire. Alors, ils disent, alors même, c'est lui, papa? Et alors, moi, je rigole, je dis, oui, je suis votre papa. Parce que ta maman, elle devait te perdre. Lorsqu'elle était enceinte, et je l'ai convaincue à ne pas l'enlever. Après, je m'adresse à la maman. Alors, madame, tu es contente que tu aies cet enfant-là? Voilà, c'est ta canne. Voilà, tu n'es pas encore mariée. Voilà, Baruch HaShem, tu l'aurais enlevé. Où tu serais? Bien sûr, c'est pas conseillé de faire des enfants avant le mariage. Il faut que ce soit un mariage. Mais je parle pour ceux qui ont fait un accident involontairement et qu'ils ont un enfant. C'est péché d'enlever. L'avortement, c'est grave. C'est grave, grave, grave. Donc, à Boutaï, je voudrais simplement vous dire que combien de fois, parfois, on subit des hontes pour faire la paix entre deux personnes. Aaron HaKohen, il avait cette qualité. Il aimait faire la paix. Oh, Ève! Alors, si Aaron, il aimait faire la mitzvah qui est la plus dure de faire la paix entre deux personnes, un homme et sa femme, un homme et sa belle-mère, un homme et son copain, la plus forte raison qu'il aimait toutes les mitzvot. On ne peut pas l'empêcher à ne pas aimer d'autres mitzvot. Donc maintenant, si il a eu de la peine parce qu'il n'a pas fait ce sacrifice, on ne peut pas lui reprocher pourquoi tu as de la peine. C'est vrai, Hachem, il n'a pas demandé de faire ce sacrifice. C'est vrai, et il n'a pas à se plaindre pourquoi il ne le fait pas. Mais il aime, qu'est-ce que tu veux? Il aime. Ohev Shalom, Ve'oredev Shalom. Il aime faire les mitzvot. On ne peut pas empêcher un juif qui aime faire des mitzvot, pourquoi tu aimes les faire? On ne peut pas dire à quelqu'un qui avait acheté la Ptihat HaEichal, l'ouverture de l'arche, et un autre, il lui prend, il va lui dire, mais pourquoi tu me la prends? Après, qu'est-ce qu'il fait? Il ajoute de l'argent. Après, à la fin, il achète un grand prix. Après, on lui dit, mais pourquoi tu as payé ce prix, ce grand prix? Il dit, parce que j'aime cette mitzvah. On ne peut pas lui reprocher pourquoi il aime cette mitzvah, il aime. Il y a quelqu'un qui est venu chez moi hier en avant-hier. Sa femme, elle me dit, Rabbi David, il faut crier à mon mari
parce que mon mari, il donne plus de son temps pour la communauté. Je lui dis, madame, est-ce qu'il consacre aussi pour la maison? Il me dit, oui. Mais il donne plus pour la communauté. Je lui dis, écoute. Alors, je m'adresse au monsieur, c'est vrai. Je lui dis, Rabbi David, si j'aime faire ce travail, je le fais bénévole, et si je ne le fais pas, il n'y aura que des guerres. Alors, il faut qu'elle me comprenne. J'aime voir la communauté en paix. Deux fois, je me suis retiré, et deux fois, il y avait Sodome et Gomorre à la communauté. Il y avait la guerre civile. Alors, je suis le seul qui arrive à arranger les choses. J'aime. Alors, j'ai essayé de convaincre la femme pour qu'elle le laisse. Vous comprenez? Ça, c'était Aaron à Cohen. Ohev shalom, ve'ozev shalom. Il aime. On peut pas. Mes amis, HaKadosh Baruch Hu, il a vu ça. Il n'a pas reproché à HaKadosh Baruch Hu, à Aaron, pourquoi tu demandes quelque chose que je ne t'ai pas demandé? Pourquoi tu es en train de te faire du mauvais sang? Pourquoi tu n'as pas porté un sacrifice que je ne t'ai pas demandé? Hachem, il dit, Aaron, je vois ton cœur, je vois que vraiment, tu tiens à cœur à faire cette mitzvah d'apporter un sacrifice. Mais je vais te donner une mitzvah que tu vas la faire chaque jour. Parce que si je te dis, puisque tu aimes vraiment la Torah, vraiment tu aimes les mitzvot, même quelque chose que je t'ai pas donné, tu as de la paix, que tu ne le fais pas, tu veux la faire, alors je te donne une mitzvah que tu vas faire tout le temps. Laquelle? Allumer la menorah au Beit HaMikdash chaque jour, matin et soir. C'était pas prévu pour toi, mais toi je te la donne à toi. Voilà la beauté, ce que un juif il gagne. Un juif il aime Torah, qu'est-ce qu'il gagne? La Torah. Un homme qui aime faire la tzedaka, qu'est-ce qu'il gagne? Hachem il fait avec lui la tzedaka. Voilà. Aaron, il respecte. J'aime faire les mitzvot. Pourquoi eux seuls ils les font et moi je ne les fais pas? J'aime faire les mitzvot. Peut-être un homme il doit montrer la volonté qu'il aime faire les choses. C'est pas ça. Je savais. J'aime. Montre-moi que tu aimes. Il y a beaucoup de gens qui viennent à la synagogue en retard, beaucoup en retard, et ils disent, j'adore venir prier. Qu'est-ce que tu adores venir? Tu viens toujours à la fin de la synagogue. Tu adores venir parler plutôt, pas prier. Parce que si tu veux venir prier, tu serais venu depuis le début. On ne joue pas avec le bon Dieu. J'adore venir prier. Parce que quand je me recouille, c'est dans ton cœur, tu adores ou tu n'adores pas. Parce que si tu veux aimer, tu adores. Parce que c'est un mensonge là. J'adore venir, j'adore faire la tzedaka, j'adore étudier. Qu'est-ce que tu adores? Montre-toi. Lorsque tu dis j'aime faire ça, montre que tu aimes faire ça. Et lorsque tu n'arrives pas à la faire, tu regrettes pourquoi tu ne peux pas la faire. Allez, montre. Vous savez, mes amis, je termine avec une phrase. Combien des gens, ils aiment vraiment faire Torah et Mitzvot? C'est pas tout le monde, hein. Quelle est la preuve? Parce qu'on ne montre rien. On ne montre pas. On ne montre pas qu'on est soucieux. Pourquoi on n'a pas fait telle et telle chose? Pourquoi on n'a pas fait? Pourquoi telle et telle mitzvah, on l'a raté? On ne montre pas. Il faut la montrer. Mes amis, Korah dit la matitnasu. Titnasu du verbe. Titnase, titnasu, nasi du verbe président. Korah dit à Aaron, ouais, même pour le korban, pour les sacrifices qu'ils ont fait les nissim, les princes, mais pour ça, tu as regretté pourquoi tu ne l'as pas fait. Tu as respecté pourquoi tu ne l'as pas fait. Voilà le mot titnaso. Regardez, jusqu'à où Korah, il a été bête, il a été loin. Il dit à tu as compris, vous avez compris. Il dit à Aaron, ouais Aaron, tu vois, tu as, parce que tu n'as pas été invité pour apporter les sacrifices pour l'inauguration du temple comme tous les princes, comme tous les présidents ont fait. Tu as respecté. Et pas sur respect, tu as reçu un cadeau. Et qui es-tu? La matitnasu. Pour qui es-tu? Ouais, toi, Moshe, tu l'as donné après pour allumer l'allumage de la menorah, parce qu'il a fait semblant qu'il a. Mais tout ça, c'est bête.
Comment Korach est arrivé? On a posé plein de questions sur Korach. Vous savez pourquoi? Écoutez bien. Parce que c'est écrit. Moi, je suis obligé de vous dire le lien entre la paracha 2, chez l'Achlecha et de Korach. La fin de la paracha de Shachlecha, la Torah, elle parle de quoi? De l'amour des tzitzit. Lorsqu'on parle de tzitzit, ça nous rassemble à faire toutes les mitzvot. Et on les fait. Et si on ne peut pas les faire, c'est considéré comme si on les a fait. Mais c'est écrit, et tes motos, il faut les voir. Mais c'est lorsque tu vois, je vois ici les 613 mitzvot. Mais si par exemple, je vois, j'ai des diamants ici, et je vois mon tzitzit, et en même temps, je vois mes diamants, est-ce que mes yeux vont vers les diamants ou vers le tzitzit? Là, c'est là le test. C'est une grosse épreuve. Si Bémet tu es Dieu, tes yeux, ils iront droit vers le tzitzit, vers les mitzvot. Mais si tu es plutôt l'argent, passé à côté, donc tes yeux vont aller vers l'argent. Eh bien, meilleur Zokora, Eno et Ato, ses yeux, ils l'ont fait tremper. Ses yeux, ils voyaient les tzitzit, mais à travers les tzitzit, ils ne voyaient pas les mitzvot qui ont englobé les tzitzit, ils voyaient son argent. Et parce qu'ils voyaient son argent, il a détourné la tête. Il voulait avec son argent prendre les titres de Moshe, de Aaron. Il a cherché à avoir des titres. Et lorsque Rabotai, un homme, il voit à travers ses yeux que l'honneur, la gloire, alors automatiquement il est jaloux de tout. Automatiquement il est orgueilleux de tout. Et c'est ça qui a fait à ce que Korach, il a triché, il s'est trompé, il est tombé sur toute la ligne, parce qu'au lieu qu'il voit avec ses yeux la qualité des mitzvot pour bien les faire, il n'a pas utilisé voir le talit pour voir la qualité des mitzvot, il a rigolé sur le talit. C'est-à-dire que pour lui, le talit, il n'a rien à lui prendre, puisqu'il n'avait rien à lui prendre. Donc le talit, il n'a pas agi sur lui. C'est quoi, par exemple, je vois les photos de tzadikim et je lui dis que j'ai rien à prendre d'eux. Regardez-les. Tous ces tzadikim-là. Et il dit, j'ai rien à prendre d'eux. Je connais. C'est ce qu'il a pensé, Korach. J'ai rien à prendre d'eux. Je connais. Ah ben, puisqu'il n'a rien à prendre d'eux, il connaît. Il a démontré qu'il ne connaît rien du tout. Il s'est révolté contre Dieu, contre les tzadikim, et sa fin était terrible. Désastre. Mes amis, je vous bénis. Que le bon Dieu vous protège, que le bon Dieu vous donne la Slaha. On apprend de ce que beaucoup d'enseignements, de tout ce qu'on a appris aujourd'hui, plein d'enseignements, et parmi les bons enseignements qu'on a appris, que vraiment on doit être fidèle, on doit être sincère. Lorsqu'on vient à la prière, c'est pour prier. Lorsqu'on fait la tzedaka, c'est pour la faire. Lorsqu'on fait une mitzvah, c'est bien la faire. Et ne pas la rater exprès et dire, ah, j'ai voulu la faire. Non, tu n'as pas voulu la faire, c'est pas vrai, tu ne l'as pas fait. Il faut être sincère avec soi-même. Et la Torah nous donne un enseignement, un conseil, que tu ne connais rien du tout. Le contraire, c'est mitzvot, les tzitzit, ils te rappellent à faire les mitzvot. Et ne pas dire que le tzitzit, il me rappelle rien du tout. Si tu dis que le tzitzit ne te rappelle rien du tout, donc tu vas agir comme Korach et tu finiras mal. Mais si tu vois les tzitzit, et à travers les tzitzit, et tes motos sera un thème, si tu vois combien tu es loin des mitzvot, et dommage, je ne peux pas les faire, et je voudrais bien les faire, alors quand je te protège, là, Hachem va t'aider à ce que tes yeux ne vont jamais se tromper. Tu verras que des bonnes choses avec tes yeux. Mais ces yeux-là qui voient à travers les tzitzit, les 613 mitzvot, Hachem va t'aider à avoir que des bons yeux à travers tes yeux. Mais si tu ne fais pas attention avec tes yeux, et tu dis, j'ai rien à prendre des tzitzit, alors tu vas voir que des choses mauvaises, négatives, et ta fin, et la fin, ne sera pas bonne. Que Dieu vous protège, je vous donne la santé, et puis surtout, un béhin, puis d'autres avec vous, qu'elle est la et je vous souhaite une bonne semaine. Nivhalom yom.